Ok. Voilà, nous avons vu pas mal de préalables. Il est temps que je vous montre autre chose qui marche avec guide et qui est extrêmement important pour vous. Bref, je sais que beaucoup ont entendu parler de GitHub. GitHub, comme vous pouvez voir le nom ici, c'est une infrastructure basée sur le cloud qui, en fait, communique ou travaille en collaboration avec le guide que nous sommes en train d'utiliser depuis dans notre machine. Mais lorsque vous utilisez, lorsque vous gérez votre code, lorsque vous créez votre projet et utilisez Git pour traquer, monter, descendre, faire tout ce que vous voulez, à la fin, il va falloir stocker votre code dans le cloud. Bref, pourquoi? Parce que peut-être vous êtes en train de collaborer avec des centaines d'autres développeurs sur le même projet. Pourquoi? Peut-être parce que c'est votre projet personnel et vous voulez la sécuriser. Et pour ça, vous voulez garder dans le cloud de telle façon que même si votre machine se gâte, vous pouvez toujours la récupérer. Et pour ça, il va vous falloir aller dans GitHub. GitHub, c'est tout simplement ceci. Laissez-moi le faire dans un navigateur où je n'ai pas de compte. Et puis, vous allez facilement voir de quoi je parle. Voilà, comme vous pouvez voir ici, vous avez besoin de créer un compte ici à GitHub. Donc, comme je disais, GitHub reste cette plateforme où des centaines de millions de personnes déposent leurs codes. Ça peut être des codes gratuits, ça peut être des codes privés, ça peut être des codes dont vous voulez laisser la possibilité à toute personne dans le monde d'utiliser, comme chez moi par exemple. Si vous partez dans mon GitHub, vous allez voir énormément de projets que j'ai déjà créés et c'est public. Ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à ce code source. Mais j'ai également certains projets privés et GitHub vous donne la possibilité d'avoir 5 projets privés. Donc pour ça, vous allez créer votre compte. Je ne vais pas vous montrer comment ça se fait, c'est un bonjour. Cliquez sur Sign Up et puis vous créez un compte. Quand c'est bon, vous allez maintenant revenir. Et donc ici, je vais maintenant vous montrer comment prendre notre projet dont nous sommes en train de travailler depuis dans notre machine et l'envoyer dans le cloud. Donc, c'est une étape assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici, après avoir créé votre compte, créer un nouveau répertoire, que ce soit à partir d'ici, New Repository ou Nouveau Répertoire. Vous donnez un nom à votre répertoire comme Git Tuto. Ça peut être n'importe quel nom. Si il marque comme coché ici, ça veut dire que c'est bon. Le nom est valide. Et puis, vous pouvez mettre une description ici. Just for learning purpose. Juste pour apprendre, c'est ce que je dis là. Ça peut être public ou privé. Donc ici, je vais le laisser public et ils disent ici, est-ce que vous l'initialisez avec un git ignore? Non, nous on a déjà un git ignore. Est-ce que vous voulez ajouter une licence? Non, je ne veux rien, je veux le garder aussi simple. Un readme, c'est généralement là où vous mettez quand même une description basique pour dire de quoi votre projet s'agit et peut-être certains directives pour pouvoir débuter avec votre projet. Je n'aimais rien et je le garde tout simplement comme ça. Plus tard, nous allons voir comment créer des projets où on va ajouter tout ceci. Bon, là, je crée le projet. Et quand c'est bon, ils disent quick or create a new repository on the command line or push an existing repository from the command line. Donc, nous, on a déjà un projet existant. Ça peut être que vous n'avez même pas encore de projet. Là, il va falloir faire ce qu'on appelle un projet tout début où vous voulez peut-être importer un projet à partir d'un autre répertoire, mais ce n'est pas le cas. Nous, on veut plutôt ajouter un projet existant dans notre Git repository. Donc, pour ça, on copie cette commande-ci qui dit git at remote. Git remote at origin qui est l'adresse maintenant de notre projet dans GitHub. Et je reviens là, tout simplement, je mets git. Pardon, je n'ai qu'à coller le lien comme vous voyez là. Et quand c'est bon, tout ce que vous avez encore à faire, c'est de check out master. Bon, vous voyez, il dit git branch m main. Et bien, il dit git push origin main.
Maintenant, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas ajouté. Ceci est valide lorsque vous avez ajouté un README ou un guide non. Donc, pour l'instant, je peux vérifier là, mon répertoire est toujours clean, mais je suis plutôt dans la branche master, pas même comme ils l'ont précisé. Pour ça, je peux dire guide status, juste pour montrer que tout est bon jusqu'à présent. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est le guide push origin master. Je dis ici guide push origin master. Guide push origin master. C'est la commande qui vous permet en fait de prendre le contenu de votre marché local et l'envoyer dans GitHub. J'appuie sur entrée et puis vous devrez être connecté sur internet. Et comme vous voyez là, ça a envoyé. Si je viens ici et je rafraîchis juste la page ici, vous allez voir que tous mes codes sont déjà en ligne. Il s'agit de quel code? De fichier 1 et de fichier 3. Bon, comme j'ai ignoré le fichier 1 n'est pas là, mais le fichier 2, il est bien là. Le fichier gitignore, il est bien là. Le fichier 3 qu'on a ajouté récemment, il est bien là. Donc, comme par magie, on vient comme ça d'envoyer notre code depuis notre machine locale à notre GitHub. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, on va continuer.